Alors, dans ce projet, en fait, on a conçu et implanté une simulation de gestion de projet agile en utilisant la plateforme Minecraft Education, qui est dérivée du célèbre jeu vidéo Minecraft. Donc, c'est une simulation qui s'intègre dans les cours de premier et de deuxième cycle à l'ESG UQAM, au département de management. Puis ça a été développé en partenariat aussi avec deux collègues, donc Simon Bourdeau, département de AOTI, et Marie-Claude Petit, qui est chargée de cours au département de management. Donc ce sont des cours de gestion de projet dans lesquels on essaye de transmettre aux étudiants un certain nombre de connaissances à la fois pratiques et théoriques reliées à la gestion de projet, donc des outils, des bonnes pratiques. Et à travers cette simulation sur la gestion de projet agile, mais les étudiants sont capables d'expérimenter, de mettre en pratique les notions qu'ils ont vues préalablement dans le cours, dans une expérience réelle de gestion de projet. Donc ce qui est intéressant aussi pour eux, c'est de voir, de comprendre un petit peu mieux des notions parfois un peu plus abstraites reliées à la gestion de projet agile qui tournent autour de l'adaptabilité au changement, de la flexibilité, de l'amélioration continue, qui sont parfois un peu plus, des notions un peu plus intangibles. Donc ils s'en rendent un petit peu plus compte de comment ça émerge à travers le projet. Et je pense, à mon sens, qu'ils sont plus capables ensuite de les réappliquer dans leur contexte professionnel. Donc plus concrètement, les étudiants sont rassemblés ensemble dans un monde virtuel, Minecraft. Ils sont en équipe de 5-6 étudiants et chacune des équipes a pour mandat en fait de réaliser une infrastructure qui va composer un village olympique. Donc on leur propose 10 infrastructures en tout, puis ils vont passer à travers le cycle de vie du projet. Donc ils vont pouvoir planifier ensemble en équipe en utilisant aussi Microsoft Teams et Microsoft Planner pour cette planification. Ils vont pouvoir réaliser ensuite, donc construire dans Minecraft dans une période de temps, présenter leur réalisation, leur morceau de réalisation à leurs clients, recevoir de la rétroaction et ensuite se rencontrer pour voir comment s'améliorer. Ça, ils vont le faire 3 fois, donc 3 itérations pour en bout de ligne avoir leur infrastructure de construite. À la fin de la simulation, on se rassemble tous ensemble dans le monde virtuel, puis les étudiants peuvent nous présenter à tous leur infrastructure, comment ils ont répondu en fait aux besoins de leurs clients. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de nos objectifs pédagogiques, on les a clarifiés, ces objectifs pédagogiques-là, puis Minecraft est en fait un outil est venu en support, donc pour atteindre, on a choisi cette technologie-là, et notre démarche a ensuite été de comprendre un petit peu quels sont les éléments perturbateurs, qu'est-ce qui pourrait empêcher les étudiants d'apprendre ou de suivre notre scénario pédagogique. Donc on avait beaucoup d'enjeux, on est un peu sorti de notre zone de confort, on pense notamment à la technologie Minecraft, est-ce que c'est facilement accessible, est-ce que les étudiants vont y avoir accès? Est-ce qu'ils vont être capables d'utiliser le logiciel pour construire comme on le veut? Est-ce qu'ils vont être perdus dans la simulation? En présence, c'est plus facile de prendre le pouls de la salle. À distance, c'est un peu plus difficile pour nous. Donc, toute une partie logistique. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé étape par étape. On a fait plusieurs itérations et plusieurs pré-tests où on a validé un certain nombre d'aspects. On a raffiné notre scénario. On est allé consulter les services informatiques de l'UQAM pour avoir accès au logiciel. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de formation. Donc, on a monté des capsules vidéos de formation, des tutoriels en amont pour que les étudiants, quand ils commencent la simulation, ils embarquent dedans, ils embarquent et puis ils se concentrent surtout mais sur l'approche agile, ce qui nous intéresse, qu'ils évitent d'être distraits par rapport à ce qu'on veut leur montrer ou leur apprendre. Sans rentrer dans le débat sur les cours en ligne, il y a une volonté quand même, il y a un besoin en tout cas d'une certaine partie de la clientèle envers ce type de format d'enseignement. Nous, notre objectif, c'était d'être capable, à travers une simulation, de recréer une expérience similaire qui vise à justement à générer de l'engagement de la part des étudiants dans leur apprentissage. Puis je pense qu'en regardant les résultats, puis le feedback des étudiants, on voit un certain engouement de la part des étudiants envers cette simulation. Et puis ce qui est intéressant, c'est que non seulement un engouement pour le type de simulation, c'était le fun de jouer à Minecraft dans un cours universitaire à l'ESG, mais aussi par rapport à l'objectif pédagogique. J'ai mieux appris, j'ai mieux compris le rôle des différents intervenants, j'ai mieux compris l'approche, donc je me sens plus confiant. Donc mon conseil peut-être par rapport au développement de ce genre de simulation, ce serait de se focaliser, de bien clarifier nos objectifs. C'était clair pour nous, nos objectifs qu'on voulait atteindre. Le comment était un peu plus flou au début, puis petit à petit, donc on a pris du temps avec la préparation, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait nous gêner, nous bloquer, puis on a essayé d'enlever ces éléments perturbateurs petit à petit, donc tout en gardant notre objectif pédagogique en ligne de mire.
Avec grand plaisir, j'en profite pour remercier d'ailleurs les membres du comité derrière ce concours. Moi, je le vois comme une occasion de partage et puis de diffusion de ce genre d'innovation dans le contexte de cours en ligne, d'être capable de générer ce genre de simulation, de baser sur des jeux sérieux, de montrer ce qu'on est capable de faire. On est en discussion, on a discuté avec plusieurs collègues qui étaient intéressés avec l'outil, parce que l'outil Minecraft, on peut l'utiliser dans différents contextes, pour différents autres besoins, donc on est en discussion avec eux, on n'hésite pas à partager nos bons coups, nos apprentissages. On a un projet de recherche aussi qui est relié à ça, donc on a présenté dans plusieurs colloques les tenants aboutissants de cette simulation. On a des publications qui ont déjà été réalisées puis qui sont encore en cours. Donc ça nous tient à cœur en fait de partager ce genre d'expérience, et si des collègues sont intéressés par une expérience similaire ou en savoir plus, ben, on se tient évidemment à la disposition pour partager ce qu'on a appris de cette expérience.